pied droit, sans regarder vos pieds. Observez, transfert du poids du corps sur les deux pieds et on aura plaisir à écarter les pieds largeurs du bassin. Quelques instants, vous oubliez tout ce qu'on vient de faire. Vous ramenez les bras long du corps, vous fermez les yeux et on passe ici uniquement en mode accueil et récupération. Ok, voilà, donc les bâillements, les soupirs, ça va être un petit peu, si vous sentez que ça vous emmène un peu, c'est normal, c'est l'objet de cette technique, c'est de rassembler notre attention sur nos propres sensations. Allez, comme vous avez dit, on va enchaîner un peu plus. Vous avancez de pied gauche un petit pas et vous allez placer main jointe devant la poitrine. On va transférer le poids du corps sur pied droit, jambe droite, on l'a déjà vu. Là, je viens demander est-ce que je participe à un fort potentiel. Donc je viens aujourd'hui et je viendrai demain matin. Quelque chose aussi que je voulais dire tout à l'heure, avec l'accord de Adélaïde, qui normalement devrait être là aujourd'hui et qui est partie après le repas hier. Donc on s'est parlé hier soir, elle est partie parce qu'elle allait pas très bien. Elle a fait un petit malaise en arrivant chez elle, elle a vu un médecin et il l'a arrêtée pour 15 jours, c'est la coordinatrice générale, donc elle reviendra pas. Adélaïde a été arrêtée pour surmenage, alors qu'elle est arrivée il y a environ 2 mois et demi. Même quand on met des bons process, qu'on a bien discuté, qu'on sait où on met les pieds, qu'on sait comment on invite une personne pour les 6 prochains mois pour pouvoir accompagner cette transformation et tutti quanti, là encore, à titre personnel et à titre structurel, on retrouve du surmenage, on retrouve de l'épuisement, on retrouve un craquage. Et c'est la santé personnelle qui prend dans la gueule. Pour résoudre un problème, quel qu'il soit, enfin là, on va dire, c'est pas forcément un problème qu'on a à résoudre, c'est quelque chose qu'on a à créer, mais ça me fait écho à ça. Il faut le faire en 3 étapes, qui seraient commencer par comprendre. Une fois qu'on a compris le problème, faire le processus de l'accepter. Et une fois qu'on l'a accepté, faire le processus de le transformer. Et cette réaction de chercher à créer des espaces de dialogue pour comprendre ce qui se passe, comprendre la démarche de l'être. Enfin, je ne sais pas si du coup les personnes qui potentiellement étaient concernées par cette lettre étaient présentes durant ces espaces de dialogue-là. Oui. Et, d'accord. Et peut-être qu'en fait, ces espaces-là, malheureusement, dans cette situation, sont intervenus trop tard. Parce que quand... Après, je sais pas, mais peut-être que, justement, une ambiance un peu confortable, un peu sympa, familiale, on est peu nombreux, ça peut aussi créer parfois des dynamiques qui peuvent être... On a l'impression que c'est ok. Oui, c'est ça. C'est que pour certains, les choses sont totalement ok. Moi, je compte pas mes heures parce que c'est mon projet, en fait. Donc, j'ai jamais compté mes heures parce que c'est... Enfin, sinon, on s'en fout pas. Elle est artiste. Mais, donc du coup, il y a un truc de... L'intéressement, enfin, j'ai envie de dire la rémunération, qui est un truc qui est pas... Enfin, en tout cas, pour synesthésie, j'ai l'impression que le maximum est fait pour que le budget soit le plus... conséquent possible, et de toute façon il sera fini. Donc, et c'est horrible ce que je vais dire, mais parce qu'en fait on est dans une situation plus globale, inscrite dans des schémas de contraintes budgétaires, en fait, parce que c'est le monde dans lequel on vit. Donc comment on fait en fait avec ça? Pour faire exister un endroit qui soit quand même, dont on essaie de faire un endroit un peu, j'ai pas envie de dire idéal, parce que ça n'existe pas, mais en tout cas qui tendrait vers un truc qui fonctionnerait le mieux possible. Comment faire le mieux avec ce qu'on a, quoi. Donc c'est se sentir bien dans le travail dans lequel on est. Clairement, l'endroit de valorisation, il peut aussi... je sais pas, c'est peut-être laisser l'équipe à un moment faire son expo, j'en sais rien. Je dis des trucs très naïfs. Mais aussi, on y a moins de... On peut moins s'appuyer dessus sur une carrière. Il faut aussi parler de cette idée de carrière, hein, je pense, parce que... Il y a eu une ambition de carrière quand on est directeur de certaines associations. Certains, c'est juste pour porter son projet de spectacle, de compagnie. Mais là, il y a peut-être des idées de structure pour pouvoir ensuite faire quelque chose d'autre derrière, etc. Et même des personnes qui rentrent en tant que service civique. Voilà, on peut en parler, mais c'est un vrai problème pour moi, l'emploi des services civiques tel qu'il est souvent fait. Il y a aussi une envie ensuite d'avoir peut-être un CD, de faire quelque chose, j'en sais rien. Tu gères ton temps de travail, si ça te convient, bien évidemment. Ça a toujours convenu à tout le monde. Et je ne serai pas en regard de ça. Par contre, effectivement, il faut que le travail soit fait, et tu le connais, et quelles sont tes missions. Est-ce que du coup, est-ce que les employés ont été dignes de cette confiance volontaire? Alors, je ne vais pas me prononcer sur le terme de dignité. Bonjour.
C'est raté, c'est vous aussi, hein, alors. Bon courage. C'est pas le couteau idéal, je pense. Merci. Je pense le moche. Hop. Je me disais, le burn-out, c'est quelque chose qui va avec la culpabilité. Et quand tu parles d'illégitimité, il y a ça aussi. Et je crois que toutes ces conneries, tu as toutes les conneries qu'on fait à ce niveau-là, sont beaucoup dues au fait qu'on se sent coupable, hyper légitime, pas assez efficace, enfin tout ce que tu veux. Et ça amène à tous ces problèmes-là. Pour remettre les choses en perspective, le bureau, à ce moment-là, est comme partout et toujours, et c'est un des problèmes de nos rapports de fonctionnement, un bureau de complaisance qui tient parce qu'effectivement, on a des sortes de stars ou des personnes repérées du milieu qui viennent et qui, du coup, servent, quand tout va bien, stabiliser pour les partenaires la situation en disant voilà, il y a un tel est connu, une telle est importante, alors ça va. Je reçois pas super bien l'argument que justement parce que c'est des gens qui sont proches du centre, ou en tout cas qui. Parce que les artistes qui collaborent avec le centre, ça intéresse en fait, qu'ils participent à la construction d'une nouvelle forme de gouvernance du centre. Parce que ce sont des gens qui le pratiquent en fait. Les gens qui participent dans des dispositifs, et ben malheureusement, s'ils sont pas tirés au sort, c'est toujours les mêmes. Donc c'est des gens qui sont déjà impliqués, c'est des gens qui sont déjà informés, c'est des gens qui ont déjà du pouvoir. Voilà, donc là je parle de dispositifs participatifs en général. Une réaction par rapport à ça, en fait l'outil justement. Parce que je repense juste, pour moi c'était hyper fort quand tu as dit que peut-être que Julien il utilisait ça pour partir clean. Alors, je pense que si. Peut-être que si on s'ouvre sur l'outil, et je dis pas, un outil est un outil, donc il a plein de limites, mais peut-être que ça peut aussi faire sortir de tout ça. En plus de sortir de discussions sur est-ce qu'on peut avoir la discussion. Ben, en fait, on a l'occasion de faire autrement. Pour moi, c'est la proposition de base en fait. Là, à partir de là, on peut se dire. On sait d'où on part, on sait ce qu'on ne veut pas reproduire, et qu'est-ce qu'on fait avec ça maintenant? Enfin, moi j'ai l'impression que c'est une position peut-être positive, je trouve ça dommage que je partie, mais bon, après si vous avez... Moi je n'ai pas le sentiment qu'il n'y ait pas de place pour la communication et tout ça, mais la communication c'est toujours un peu compliqué. Tu peux avoir l'impression d'exprimer ton point de vue du mieux possible, et en fait c'est pas reçu, tu vois. Qui s'appelle Décidim, qui a été créé... à Barcelone, en fait, juste pour resituer, tous les moments d'occupation des places et tout ça, en fait, enfin, le moment fondateur, ça a été ce qui s'est passé à Madrid. Justement, on teste des outils comme ça, et qu'on a appelé Algopo, parce qu'on a aussi une réflexion sur les algorithmes. Algorithmes publics, et puis une dimension, c'est la dimension politique donc, qui nous intéresse. Situation à statut qu'il faut mettre, ou alors juste statut. Non, c'est plutôt pourquoi tu veux mettre statut, parce que pour moi, statut, c'est un outil. Inclus dans le. Tu traites de la gouvernance pour le. Pour... Et ça implique les statuts. En tout cas, tu dois ensuite le mettre sous forme de statut, mais l'important c'est de se dire mais comment on veut être gouverné, qu'est-ce qui est possible. Et donc, c'est beaucoup plus large que les statuts. Trouver à quelle mécanique ça fait référence, le cadre de travail, tu vois. Pour moi, c'est clairement c'est quelqu'un qui se considère comme employé par l'association. Quel que soit son niveau, et comment sont les relations entre eux, est-ce qu'il y a de la hiérarchie, pas de hiérarchie, comment on se parle, est-ce qu'il y a des entretiens, en fait. Qu'est-ce qui fait que quand tu dis bah, moi mon travail, enfin mon emploi, on va dire, c'est ça, qu'est-ce qui se passe quotidiennement? Alors que quand tu es un artiste, ça a peut-être existé pendant une résidence, mais c'est pas tous les jours. Mais c'est d'autres. Par contre, il peut y avoir évidemment beaucoup de ratages et d'erreurs et de choses très graves, mais c'est pas les mêmes outils. D'accord. Je pense que toute cette expérience-là, l'intérêt, c'est de faire un cas d'école de centre d'art sous forme associative, et que voilà, on se sert d'une association qui est à la fois intermédiaire, reconnue, mais en crise, pour questionner au début, au cœur de l'association, en espérant que ça va s'ouvrir et intéresser beaucoup d'autres.